Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mardi 22 septembre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme pour ce début de semaine qui commence. Est-ce que vous le sentez là que j'ai un truc à vous dire et que j'ai quelque chose qui me pèse sur le cœur, hein? Vous le sentez venir? Non, c'est rien de grave, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai appris une nouvelle qui m'a un peu plombé le moral, un peu beaucoup, parce que c'était un événement sur lequel je comptais beaucoup, sachant que cette année est merdique sur beaucoup de points, on va dire même sur tous les points, hein? On va quand même être honnête. En fait, j'avais un événement qui devait se faire ce week-end, là, le 26 et le 27 à Lyon, qui était une convention qui se nomme Yggdrasil. Qui est une convention médiévale, fantastique, steampunk, etc. Qui était dans un parc public et j'avais vraiment hâte. On avait tous espoir que cette convention puisse se réaliser malgré la situation. Et puis aujourd'hui est tombée l'annonce du préfet qui a interdit les rassemblements de 5 000 personnes comme l'était autorisé jusqu'à maintenant, puisque on est passé à moins de 1 000. Voilà. Donc du coup l'annonce a été faite pour dire que tout était annulé, encore une fois. Et je vous cache pas que ouais, ça commence sérieusement à peser sur le moral parce que j'en avais vraiment besoin cette année. Je vous jure, elle est merdique sur plein de points. Et j'avais besoin de cet événement pour penser à autre chose, pour voilà, pour me détendre, pour voir les amis aussi que je ne vois pas forcément, pour voir des abonnés aussi puisque en début d'année, hein, j'avais fait Yggdrasil en février avant toute cette histoire de fou là. Et j'avais pu rencontrer certains abonnés. Ça m'avait vraiment fait chaud au cœur. On avait pu discuter et tout, c'était super sympa. Et là, ouais, du coup, tout est annulé, tout tombe à l'eau, tout, moi j'en ai ras-le-bol. Je vous cache pas que je suis en train de me poser la question de savoir qu'est-ce qui est le plus contagieux, ce fameux virus ou la folie qui est en train de s'emparer de tout le monde. Parce que là, très clairement, on est en train de vivre dans un climat de peur, d'anxiogène, mais à un point qui est indéfinissable. De plus en plus, chaque jour qui passe, on a de moins en moins de liberté. On n'a même plus le droit de respirer, hein, parce que si jamais vous êtes pris en train de respirer, vous payez 135 euros. Bon, voilà, comment dire. Ouais, ça commence à devenir vraiment lourd maintenant, hein, sincèrement. Donc, ouais, je vous cache pas que ça m'a un petit peu pesé sur le moral. Mais bon, on va essayer de passer outre, d'accord? On est là, on se retrouve ensemble, c'est mieux que rien, vous me direz. Et puis voilà. Tout d'abord, je voulais aussi vous remercier pour les 5 000 abonnés. Ça y est, c'est officiel. Le jour de Mabon, en plus, le 21, hein, septembre. C'était quelques minutes avant le 21, c'était dimanche soir, à 23h57 précisément. La chaîne a tourné pile à 5 000 personnes, 5 000 abonnés. J'étais super, super, super heureux. Et vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur à tous pour votre soutien, pour être de plus en plus nombreux. Sachant que la chaîne a à peine plus d'un an, hein, puisque je l'ai ouverte officiellement le 2 juillet 2019, donc ça fait à peine un peu plus d'un an que la chaîne, et on est déjà une telle communauté, vraiment ça me fait chaud au cœur. Donc merci, merci à tous. Je voulais également vous préciser pourquoi est-ce que vous ne voyez pas le nombre d'abonnés sur la chaîne, parce que ça c'est de temps en temps un petit commentaire que je peux recevoir, tout simplement parce que je suis pas du tout dans l'optique de concurrence, de machin, de... Et je trouve que malheureusement sur YouTube, de plus en plus, il y en a qui aiment bien venir espionner pour savoir ce que machin est en train de faire. Machin, combien d'abonnés il a, etc., etc. Et j'ai horreur de cette ambiance. Moi, je n'ai rien à prouver à personne. Je suis en concurrence avec personne. La qualité d'une chaîne ne dépend pas de son nombre d'abonnés. Je suis désolé, hein. Il peut y avoir des chaînes qui sont extrêmement intéressantes, qui vont compter que 100 abonnés. Et des chaînes qui sont pourrissimes, qui vont avoir 1 million d'abonnés. Voilà. Bon, donc pour moi, le nombre ne dépend absolument pas, ne fait pas en tout cas la qualité de la chaîne. Je ne suis pas non plus dans ce délire et dans cette dynamique de moi j'en ai plus que toi, moi nanana. Je suis pas non plus là-dedans. Donc je mets le moins d'informations possible sur la chaîne, je mets uniquement le contenu, ce qui vous intéresse. On n'est pas là pour comparer qui est quoi, etc., etc. Hein, vous êtes là avant tout pour le contenu que je vous offre et pas savoir si j'ai plus d'abonnés que machin ou moins d'abonnés que bidule, on s'en fout. On s'en fout complètement. Voilà. Allez, bon, ceci dit, 4 minutes, 5 minutes d'annonce. Aujourd'hui, ce sera bibliomancie. Bah, de toute façon, vous vous en doutez avec la miniature de la vidéo.
avec les livres de Georgia Rutsis-Savas aux éditions Solar. Je vous le rappelle, je vous le dis à chaque fois, celui-ci est toujours disponible à son prix d'origine, à savoir 14,90€. Celui-ci est devenu quasiment introuvable. Donc, voilà, je ne mettrai pas de lien, rien du tout. Ce sera à vous de fouiller et de farfouiner et de chercher. Pour compléter, on utilisera les cartes des anges. Je sais, je triche, ce sont des cartes, mais des cartes avec un seul mot. Donc la bibliomancie, c'est l'art divinatoire par les mots, par la lecture, par les livres. Donc je triche pas tant que ça. Et puis pour finir, notre grimoire des oracles qu'on ne présente plus, hein, de notre ami Sylvain Ouari. Et c'est parti tout de suite les amis. Allez, on va essayer de penser aux énergies de la journée, on essaye de positiver... On va essayer de positiver, penser aux choses lumineuses, aux choses... Alors là, tout de suite, vous voyez, quand je dis aux choses lumineuses et positives, j'ai du mal à en voir. Si, on va dire les 5000 abonnés de la chaîne. C'est positif, ça. Hein, voilà. Non, allez, j'arrête de faire le pitre. On se concentre, on y va. On pense à aujourd'hui. Et c'est parti. Alors, nous avons tiré une lame du tarot qui est le roi d'épée et qui nous parle de quelqu'un d'autre qui aura le dernier mot. Alors, quelqu'un d'autre qui aura le dernier mot. C'est intéressant parce que là, du coup, pour aujourd'hui, ça pourrait nous parler éventuellement soit de débats, soit de conflits, soit de discussions, d'échanges, des échanges sociaux. Ça peut être des échanges professionnels, ça peut être des échanges commerciaux, ça peut être des échanges d'ordre privé, par exemple, je sais pas, avec un créancier, n'importe quoi, n'importe qui. Et là, on nous dit... En gros, que ce n'est pas vous qui aurez le dernier mot. Alors, soit ça peut nous faire comprendre ici, peut-être que nous sommes dans une position où nous avons tort. Par conséquent, on n'a pas à en rajouter. Hein, il faut savoir reconnaître ses torts quand on a tort. Et vouloir avoir le dernier mot et essayer de défendre une position alors qu'on sait très bien que nous n'avons pas raison, il vaut mieux se taire, au contraire. Ça peut être aussi un débat qui va être enflammé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être ramené à avoir des échanges un petit peu musclés. Peut-être qu'il va falloir défendre et argumenter une idée, une conception, quelque chose que vous défendez, une cause, ça peut être la vôtre, votre propre cause. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple? Imaginons que vous ayez reçu une facture, on va dire n'importe quoi, d'électricité. Vous venez de recevoir 800€ de facture d'électricité, alors que tout le mois d'août, vous l'avez passé au bord de la mer. Donc concrètement, vous n'étiez pas chez vous. Vous n'avez pas pu consommer 800€ d'électricité, vous voyez, voilà. Donc, ça pourrait être un truc dans ce style-là, et vous allez devoir argumenter, vous justifier, vous battre, etc. Un petit peu comme une espèce de pitbull, hein, qui serait sur la gorge de quelqu'un et qui ne lâche pas l'affaire tant que ce n'est pas réglé. Voilà, ça pourrait nous parler ici d'un débat enflammé, d'une discussion un peu musclée, le fait de défendre ses intérêts, défendre sa cause, défendre quelque chose. Mais faites attention aux arguments que vous pourriez utiliser, parce que le fait que ce soit l'autre qui est le dernier mot, soit ça peut être un symbole de soumission. Peut-être que vous allez sentir des tensions qui arrivent. Hein, parfois, on peut se lancer dans des discussions qui peuvent être musclées, ou alors nos arguments sont tellement pertinents que la personne qui est en face va elle-même être en manque d'arguments ou ne saura pas quoi vous répondre, tout simplement. Donc, l'apanage des esprits les plus faibles, eh bien, c'est soit de s'énerver, d'insulter, etc., etc., vous voyez. Voilà. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez dans ce cas de figure où la discussion que vous allez mener, peut-être que vous allez la mener d'une main de maître, et la personne en face va être assez pauvre en termes de vocabulaire, d'arguments, etc. Et comme vous allez sentir les tensions qui arrivent, pour calmer le jeu, vous allez laisser l'autre remporter la manche. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être une sorte de diplomatie. Hein. Ça pourrait nous parler aussi d'une sorte de soumission. Toujours aussi, par exemple, si vous avez votre supérieur hiérarchique, plutôt que de rentrer dans un conflit qui pourrait mener à des échanges musclés ou à des tensions, vous allez acquiescer à ce que votre chef va vous dire, même si vous savez pertinemment qu'il ou elle a tort et que vous avez raison, et, ou alors que vous avez la bonne solution ou le bon protocole, la bonne réponse, etc. etc. Bref, dans un souci de vous dire...
Allez, c'est bon, reste sur ton idée, on va pas se prendre la tête, on va pas gâcher la journée, ok, je te donne raison, mais on sait très bien tous les deux que, hein, voilà, on sait qui a raison dans l'histoire. Donc ça peut être aussi dans ce sens-là. Ou tout simplement, comme je l'ai dit, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez aussi rencontrer quelqu'un qui pourra se montrer peut-être plus fort que vous en termes d'arguments, et du coup, qui vous clouera le bec en vous démontrant par A plus B que soit vous aviez tort, soit que les choses sont ainsi et pas comme vous le pensiez. Vous voyez, enfin voilà, hein, ça peut être aussi dans ce sens-là. Dans tous les cas, pour moi, cette phrase-là, le fait d'avoir le dernier mot, pour moi, ça va me parler aujourd'hui principalement d'échanges. Ça va être une journée qui va être placée sous les échanges. Ça peut être des échanges de SMS au téléphone, échanges vocaux physiques. Ça peut être par téléphone, je vous l'ai dit, je sais plus si je dis par mail. Enfin bref, tous les supports possibles où on va avoir des échanges. Hein, mais pour moi ici, la journée va être placée sous le signe des échanges. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Vous pouvez, si vous voulez, penser à une question. Hein, pourquoi pas? Tac, allez. qu'est-ce que je fais? À la base, j'avais mis le doigt ici, donc. Ah non, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait fausser. On va le recommencer du coup. Tac. Voilà. Alors, nous avons les lettres de l'alphabet et nous avons tiré la lettre L là. Et la réponse est oui, si vous le voulez de toutes vos forces. Je vous montre. C'est marrant parce que moi, je vous disais à l'instant même, si vous voulez poser une question. Bah du coup, vous voyez, il fallait qu'on le refasse pour avoir cette réponse. Alors, le oui, si vous le voulez, de toutes vos forces, c'est très intéressant. Parce qu'en gros, si vous aviez une question en tête, la réponse est positive, mais, trois petits points, ça sera positif si vous y mettez du vôtre, si vous faites le nécessaire pour obtenir ce que vous convoitez, ce que vous désirez ou ce dont vous avez besoin. Je prends un exemple très concret. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de penser au régime en ce moment, peut-être parce que je fais attention. Imaginons que vous vouliez perdre 15 kilos. Bon, ben, c'est pas en allant à l'église, allumer des cierges, en priant tous les jours, je veux perdre 15 kilos, je veux perdre 15 kilos, et puis que dès que vous sortez de l'église, vous partez, vous jetez sur un fast-food, un kebab, un truc comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher, vous voyez. Vous pouvez perdre ces 15 kilos, mais c'est à vous aussi d'y mettre du vôtre. C'est-à-dire que ce que vous avez en tête ou la situation que vous vivez, c'est possible de l'arranger, c'est possible de pouvoir faire les choses et d'obtenir ce que vous voulez, mais c'est aussi à vous d'y mettre un petit peu du vôtre. Donc aujourd'hui, n'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans la bouche, mais soyez aussi un petit peu dans l'initiative, c'est-à-dire que si vous le voulez, à vous aussi de faire le nécessaire et de prouver que soit vous le voulez, soit vous en avez besoin. Et ça peut être ça le fait d'argumenter, hein. Peut-être que si vous convoitez quelque chose, du coup, vous allez peut-être vous lancer dans un débat ou une argumentation pour défendre ce que vous voulez, ce que vous voudriez obtenir, et ça peut arriver à comment on pourrait dire, une affaire conclue si vous y parvenez, si vous mettez toutes vos forces, d'accord? Et puis si vous jouez aussi avec cet aspect de diplomatie, parce que rappelez-vous, du coup, c'est l'autre qui aura le dernier mot. Donc peut-être que, imaginons, je pense que vous l'avez tous fait quand vous étiez ado, de manipuler un peu vos parents pour obtenir un truc. Et très souvent, ça se finissait, oui, je te promets, maman, je rangerai ma chambre, ou oui, je te promets, je rentrerai bien à 9h, etc. Hein? Vous voyez, vous flattez un petit peu dans le sens du poil pour mieux obtenir ce que vous voulez. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça peut être ça, peut-être que vous allez être amené à flatter dans le sens du poil pour obtenir ce que vous voulez. Allez, on va prendre trois mots-clés. J'ai toujours ce réflexe de fermer les yeux. Allez, une, deux, 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 et la troisième. Alors, nous avons l'intégrité. Très intéressant comme mot, l'intégrité. Intégrité, tout de suite, ça me fait penser, encore une fois, à l'aspect de diplomatie. C'est-à-dire, plutôt que de générer un climat, on va prendre un exemple très concret, imaginons que vous soyez au boulot, et plutôt que de générer un climat qui va pourrir tout le monde et pourrir la journée de tout le monde, par conséquent, c'est vous qui allez prendre la décision de lâcher l'affaire pour calmer le jeu. Et du coup, le fait d'être intègre, d'avoir une conscience professionnelle. Mais ce conseil peut s'appliquer à toutes les situations dans le même style. Hein. Si par exemple, vous vous disputez aujourd'hui
aujourd'hui avec votre, votre conjoint, votre conjointe, un membre de la famille, plutôt que de faire empirer les choses, vous allez conserver votre intégrité en calmant le jeu et en laissant les choses se faire et en laissant la personne gagner la manche. Nous avons carte blanche. Alors la carte blanche, ça nous dit effectivement, ça nous rappelle la réponse qu'on vient de tirer, à savoir que oui, tout est possible si vous le voulez de toutes vos forces. Eh bien, carte blanche, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez tout entre vos mains, vous pouvez y arriver, vous pouvez réaliser ce que vous voulez, ce que vous convoitez, cela dépend de vous. Hein. Si je vous donne carte blanche pour refaire toute la déco, ça ne veut pas dire, il n'y a pas de consigne, hein. Ça ne veut pas dire que je veux du violet, que je veux ceci, que je veux cela, non, je vous donne carte blanche. Donc, vous êtes libre de faire tout ce que vous avez envie. Et nous avons la célébration. Célébration, ça pourrait nous parler ici peut-être de bonnes nouvelles. Et encore une fois, ça rejoint le oui, si vous le voulez, toutes vos forces. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez obtenir ce que vous vouliez, quelque chose peut-être que vous convoitez. Alors, moi, là, tout de suite, ça serait ma convention, mais je sais que c'est mort. Et même si je voue toutes mes forces pour que la convention se réalise, je sais que c'est mort. Vous voyez, c'est pas valable pour tout, hein. Mais la célébration ici, ça me fait penser à une bonne nouvelle. Peut-être que vous allez obtenir ce que vous vouliez, vous allez peut-être réussir à signer ce contrat, à avoir le délai supplémentaire dont vous aviez besoin, d'avoir, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Et par conséquent, ça vous amènerait à célébrer. Pour moi ici, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose que l'on va fêter. Et en principe, on fête pas n'importe quoi, quoi. C'est... Ouais, cool, j'ai fait des pâtes à midi, champagne. Non, vous voyez, on fête quand même des trucs qui tiennent la route et qui ont une raison d'être fêtés, hein, et d'être célébrés. Allez, on va finir avec notre petite prédiction du jour. Hop, mon petit chaudron. Allez. C'est marrant, j'ai la lune en fait. On va avoir la lune, je suis prêt à le parier. Gagné, lune. Lune ouest 15. Lune, ouest, 15. Allez, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et puis vers le début, là, tac. Alors, j'ai dit lune, d'abord, ouest, 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 lune, coffre, coffre numéro 15, et ça sera le 6 avec une paire d'ailes blanches. Coffre 6, paire d'ailes blanches. Coffre 6, paire d'ailes blanches. Je suis où, là ? Coffre 6, paire d'ailes blanches. Ce médaillon peut être favorable en affaires et en amour. Possibilité d'emprunter de l'argent ou d'avoir une surprise agréable. D'où l'aspect de célébrer. Toutefois, elle peut également représenter les obstacles dans vos projets. Et du coup, la paire d'ailes blanches, c'est une solution au problème. Ah ! Donc, ça peut expliquer le fait... Attendez, hop, voilà. Ça peut expliquer le fait de célébrer ça. Puisque effectivement, si aujourd'hui vous avez une solution qui vous est apportée à un problème particulier, ça peut être du coup une raison de célébrer. Je sais pas, imaginons que vous avez enfin obtenu le crédit, que ça fait des mois que vous demandiez et avec la crise du Covid, tout était bloqué, vous n'aviez droit à rien. Et puis là, ça y est, enfin, vous avez une réponse qui est positive. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, je vous embrasse tous très fort, passez une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, les nouvelles énergies. J'arrive plus à parler, ça c'est parce que je suis contrarié. Je vous jure, ça me vraiment, je le montre pas, mais je promets que ça m'a affecté et j'aurais presque envie de pleurer là, voyez-vous. Mais non, mais sérieux quoi, je pense que faut arrêter. On va prendre 30 petites secondes, on est à 18 minutes, on va tourner à 20. Mais l'humanité quand même a connu des crises assez importantes en termes d'épidémies, de virus, etc. Hein, la tuberculose par exemple, ça remonte il n'y a pas si longtemps, et la tuberculose c'est quand même assez catastrophique, hein, bien pire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous prenez par exemple la grippe, ça aussi c'est un truc que je ne comprends pas. La grippe, chaque année, fait beaucoup plus de victimes, la grippe est 10 fois plus létale que ce virus, et on prend pas toutes ces précautions alors qu'on devrait, parce que pour le coup, la grippe, les masques et le gel hydroalcoolique, ça serait adapté, hein, pour éviter, ou même la gastro, prenez la gastro, ça paraît bête, mais vous savez, la bonne vieille gastro qui vous cloue sur les toilettes pendant 24 heures et vous videz comme un goret
par tous les orifices possibles. Hein, vous voyez celle-là, voilà. Et bien rien que la gastro, elle fait des millions de victimes à cause de la déshydratation qu'elle provoque. Donc vous voyez, et pourtant la gastro aussi, le gel hydroalcoolique, le fait de se laver les mains, ça éviterait sa propagation. D'ailleurs, au petit passage, cette année, il n'y a pas ou très peu de cas de gastro avec les mesures qu'on a prises là. Donc vous voyez, il y a moyen d'enrayer certaines épidémies et pourtant, ça prend pas un tel cirque quoi. Là, je sais pas, je comprends pas, je vous jure, plus les jours passent et plus je commence à croire à une espèce de... Enfin, je sais pas, des théories assez farfelues. J'ose pas trop m'exprimer parce que je sais pas trop la politique qu'il peut y avoir sur YouTube par rapport à ça. Je voudrais pas être soit démonétisé ou mes vidéos supprimées ou pire, la chaîne fermée. Mais je sais pas, je trouve que à trop en faire, ça cache des choses. Et puis, je sais pas, il y a cette espèce de folie, de climat hyper anxiogène, de peur, de je sais pas... Je sais pas, pour moi, il y a un truc qui est pas très clair dans cette histoire. Je sais pas si on le saura ou pas un jour, mais très clairement, on n'arrive plus à vivre comme ça. L'économie est en train de s'écrouler, l'artisanat, je vous en parle même pas. Tous les petits artisans, les petites boîtes, les petits entrepreneurs, eh ben, ils s'en sortent plus, ils n'y arrivent plus. Je vous dis, hein, même moi, YouTube, je vous en parle honnêtement, parce que j'ai rien à cacher. YouTube, les revenus ont été divisés par 3, voire 4, hein, quand même. Hein. Je vous dis, il y a un moment où je me suis dit, mais ça sert à rien, en fait, de faire des vidéos. Il n'y a plus rien. Surtout là, maintenant, je vis que de ça. C'est vraiment mon travail de tous les jours. Donc, je ne peux pas me permettre de tourner à 50 balles. Déjà que ce que je touche de mes vidéos, ça ne me permet pas de payer le loyer, hein, très clairement. Mais si ce que je touche, c'est divisé par 4, ah non, mais non, bah alors... C'est plus possible là après, hein. C'est vraiment... Et ouais, je sais pas, honnêtement, je vous cache pas que je sais pas où on va, je sais pas 2021 comment ça va être, même si j'ai des mauvais pressentiments pour 2021, je vous le cache pas. Regardez, hein, je vous avais fait une vidéo, souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi, je vous avais fait une vidéo sur l'année 2020, mais avant l'histoire du virus. Et rappelez-vous que j'avais sorti dans le tirage une menace qui venait d'un pays d'après les montagnes, et un pays où le soleil se lève. Enfin, il y avait la carte du soleil, du coucher de soleil, mais ça peut être le soleil qui se lève. Donc du coup... On a ce virus quand même qui vient d'Asie, hein, le pays du soleil levant. Alors pas forcément le Japon, mais l'Asie, c'est la région où le soleil se lève, enfin qui est connue pour le soleil levant. Donc vous voyez, c'est quand même drôle de voir que les prédictions que j'avais pu faire il y a des mois en arrière, avant que cette crise éclate, qu'il y a des choses qui se sont avérées vraies. Et là, je vous cache pas que les ressentiments que j'ai pour 2021, ils sont pas très bons. Et je sais pas... Je sais pas, j'espère de tout cœur me tromper, mais je pense qu'on va vers une crise économique assez sérieuse, voire très importante, et j'ai peur que ça entraîne des choses plus graves, type, je sais pas, des révoltes, des choses comme ça. Je le souhaite pas, je l'espère pas, mais j'ai des mauvaises images, j'ai des mauvaises choses pour 2021. Donc, faites attention à vous, profitez de la vie, essayez de positiver. Pareil, essayez voilà, de profiter au fur et à mesure, de prévoir l'imprévisible. Hein, c'est le principe même. Et puis, on verra où on va aller, hein, tout simplement. Allez, prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous. Bonne journée et à demain.